Christophe Sardy, donc c'est vrai que j'ai découvert votre film par l'intermédiaire des réseaux et c'est quand même très très bien. Donc là où le temps s'est arrêté, et moi du coup je me suis arrêté et j'ai vu un film qui mérite notre attention. Et vous êtes photographe d'origine et puis vous êtes aussi réalisateur. Vous allez nous expliquer un petit peu pourquoi avoir fait ce film qui est un petit peu hors des sentiers battus et puis en même temps vous êtes le distributeur. Vous êtes le réalisateur, vous êtes le scénariste, vous avez tout fait sur ce film. Vous l'avez monté aussi ? Je l'ai pré-monté, mais j'ai terminé le montage avec une monteuse, qui s'appelle Agnès Ribouton, parce qu'il y a des choses à ne pas faire. Moi, j'ai fait le maximum de choses seul, mais on va répondre aux questions les unes après les autres. Effectivement, moi, je suis photographe, réalisateur, scénariste, on va dire, sur des premières écritures, parce que la scénarisation, c'est un travail d'équipe. Hein. On écrit avec deux ou trois personnes. Hein. Donc, quand je dis scénariste, je mesure mon propos parce que le scénariste, c'est encore un métier à part entière. Donc, effectivement, je fais beaucoup de choses, mais j'ai un parcours assez particulier parce que moi, je suis autodidacte, mais j'ai démarré ma première photo à 8 ans. Mes premiers films, c'était des films de mariage à 20 ans. Et puis à 30 ans, j'en ai fait mon métier en partant sur l'Afrique où je suis resté 20 ans. Donc, ce parcours en Afrique a été extrêmement, formateur. C'était une super école parce que j'ai fait toutes sortes de choses très différentes. Je suis passé de la pub au documentaire, en passant par le clip, en passant par des films d'entreprise. Je suis allé dans beaucoup de pays. Et donc, c'était très, très formateur. Ensuite, quand je suis revenu, ben, forcément, j'ai retrouvé mon pays, hein, c'est-à-dire les saisons, c'est-à-dire les campagnes que moi, j'ai pu connaître, tout ça. Et puis, j'ai quand même vu le pays évoluer. Il y a des problèmes, on va dire, écologiques qui sont apparus de manière de plus en plus fréquente. On en parle de plus en plus. Il ne se passe pas une journée sans qu'on en parle. Ça fait déjà quelques années que c'est le cas. Et le fait d'être parti en Afrique et d'avoir, on va dire, connu la chaleur, d'avoir connu aussi des zones rurales, parce que moi, j'ai pas uniquement filmé dans des capitales, je suis allé dans des zones extrêmement retirées, au Mali, au Niger, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, bien sûr. Je suis resté 20 ans, quand même, non-stop au Sénégal. Et puis une trentaine d'années sur l'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal, plus d'autres pays où j'ai pu me déplacer. Donc, toute cette partie de vie en Afrique, moi, j'ai vu beaucoup de zones comme ça retirées où les gens vivent avec de manière très, très simple. Pour moi, ce n'est pas des gens pauvres, c'est des gens qui vivent avec l'essentiel. Quand je suis revenu en France, donc c'est difficile pour moi. Il a fallu que je réfléchisse beaucoup à la raison pour laquelle j'ai fait ce film, parce que ça vient vraiment du fond de moi. C'est l'amalgame de plusieurs choses. C'est d'abord un premier métier que j'ai fait quand j'étais jeune. Moi, j'étais inséminateur. Donc, je faisais de l'insémination artificielle sur les vaches. Donc, j'allais dans les campagnes, me promener. J'allais dans les fermes. Donc, j'étais dans le milieu rural et je faisais en fait de la photo et du film. Quelque chose de passionnel, mais ce n'était pas mon métier. Donc, j'ai eu cette première partie de ma vie. Ensuite, ça a été l'Afrique pendant 20 ans.
où j'ai pas connu que des capitales, comme je le disais, mais des zones parfois très rurales, où j'ai vu des gens vivre avec pas grand-chose. Je trouvais ces gens heureux, je trouvais ces gens sains. Et quand je suis revenu en France à retrouver mon pays, retrouver un peu les saisons, j'ai eu envie de repartir un peu dans cette ruralité que j'ai beaucoup aimée. Moi, je suis pas du tout du milieu, hein, mais j'ai beaucoup aimé cette ruralité. Il y a un changement sur plein d'aspects, plein de points, mais effectivement, l'écologie, après le problème écologique, il n'est pas français, il est mondial. Hein. Par rapport aux fermes qui disparaissent, par rapport au monde, on est dans une inertie de surproduction, surconsommation, surpopulation. On est toujours à la recherche, on entend parler de croissance, on est en train de parler de marché, de finance. On est, j'ai l'impression, dans une inertie comme ça, qui est difficile à maîtriser. Et voilà. Vraiment, c'est né en moi comme ça, et je me suis dit, il faut que je fasse un film sur ces fermes qui vont bientôt plus exister, ces fermes simples, des fermes qui sont nos histoires, notre socle, on va dire, d'humanité. Et j'avais gardé des contacts de mon ancien métier, mon premier métier, et à quelques amis et anciens collègues, je leur ai dit, trouvez-moi une ferme dans laquelle je peux rentrer comme ça pour aller faire le portrait de cette ferme. Donc, je ne pensais pas forcément trouver un personnage seul, genre, ça aurait pu être un couple, deux frères ou je ne sais pas quoi. Mais la première ferme que j'ai découverte, qu'on m'a présentée en fait, c'est un ancien collègue à moi qui m'a expliqué un petit peu le profil du personnage et de la ferme. J'ai dit, écoute, moi ça m'intéresse. Je vais aller voir le monsieur qui s'appelle Claudius. Je lui ai dit, écoutez Claudius, j'aimerais faire un film sur une ferme comme la vôtre parce que c'est dommage, ça va disparaître. Et voilà, j'aimerais faire un film là-dessus. Et je pensais être obligé un petit peu de lui expliquer beaucoup de choses. Il m'a dit de manière très simple, oui. Il m'a dit oui, voilà. Et j'ai commencé à filmer, à rentrer dans sa vie. Et j'ai filmé sur une durée de 14 mois où j'ai gagné la confiance du personnage. Donc, il faisait, pour lui, j'étais une visite. J'avais la chance en plus d'habiter j'habite à 20, 25 minutes de la ferme. Donc, je pouvais monter souvent le voir, sans y rester trop longtemps, parce que je voulais beaucoup respecter justement sa vie, cette solitude qu'il entretenait, puisqu'il était seul depuis bien longtemps. Et voilà, j'ai gagné sa confiance, et ça a permis de durer dans le temps, parce que c'était ça le challenge. Je voulais absolument recouvrir les quatre saisons hein, qui existent chez nous, qui sont notre socle de vie, et surtout pour lui aussi. Donc, il fallait que je dure. Et pour durer, il fallait que j'aie sa confiance. Et c'est comme ça que j'ai pu filmer aussi longtemps des scènes qui m'étonnaient moi-même lorsque je les filmais. Quoi. Des scènes, j'étais complètement rentré dans sa vie, des fois le temps d'un repas, le temps d'une sieste, le temps d'un moment à l'écurie. Enfin, voilà, j'ai filmé des choses qui étaient extraordinaires parce qu'il me les donnait. Merde, j'ai pas mis ma masse, voilà, une gueule. Mais allez, mon père, lui, il aimait courir dans les foires. Et puis ça rigolait, ça. Les gens buvaient des canons et puis tout, hein. Ils y allaient, hein. La vie avait un sens. Est-ce que vous lui avez demandé justement de faire des choses spécialement pour la caméra ou pas ? Pas du tout. Il n'y a aucune scène dans le film qui est demandée, qui est répétée. Et c'est ce que j'explique aussi à la fin dans les projections, c'est que ce genre de film, tout est tourné dans l'instinct parce qu'il n'y a absolument aucune scène qui est demandée, faite ou refaite. Là, il ne l'aurait pas accepté. Il comprenait ce que je faisais, bien sûr, mais bon, pour lui, je faisais quelques images comme ça. Je ne pense pas qu'il imaginait le film que je voulais faire. Moi, mon idée, c'était vraiment d'être authentique, d'avoir un film très authentique. Donc, pour avoir de l'authenticité, il fallait que je capte ce que lui me donnait. Et à aucun moment, je lui ai demandé de me faire telle ou telle scène ou de refaire, contrairement à ce qu'on peut faire sur une fiction, sur un... Contrairement, est-ce qu'il y a eu des scènes que vous avez filmées qui vous a demandé de couper ? Pas du tout.
Pas du tout, parce que moi-même, dès le départ, j'étais extrêmement respectueux. Donc, j'ai rien filmé de trop intrusif, trop personnel, trop privé. J'arrivais chez lui, je discutais beaucoup comme ça, et je le filmais dans son travail, dans ses repas, mais j'arrivais pas le matin à 6 heures du matin chez lui pour le choper au mieux. Il y a aucun voyeurisme dans ma démarche. Ça, c'était pour moi une évidence, parce que le respect, moi, j'ai été élevé là-dedans, donc c'était très important pour moi de pas justement être trop intrusif. Et donc voilà, j'ai pas eu besoin de couper quoi que ce soit. Il y a des scènes que j'ai enlevées forcément dans le montage, et puis surtout avec vous avez beaucoup d'heures de rush. En heures, j'ai pas regardé. J'avais 900 gigas d'images, mais j'avais assez peu de déchets quelque part. J'aurais pu faire un film qui de 4 heures, qui allait pas avoir d'intérêt parce que ça allait être évidemment trop long, trop lent, on va dire. Il y a besoin, hein, quand on fait un film, hein, ça c'est vrai pour les documentaires, pour les courts ou longs métrages, il faut du rythme, il faut quand même de l'intérêt à chaque fois. Il faut que le spectateur, il faut toujours se mettre à la place du spectateur quand on fait un film, qu'il soit comme ça, aspiré dans un rythme où il se passe des choses. Donc, on a enlevé des scènes inutiles, on en a raccourci beaucoup, bien sûr. Mais tout ce que je filmais, il y avait une certaine lenteur dans sa vie, donc j'avais le temps. Et c'est la particularité de ces films, c'est de beaucoup observer. Parce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune scène qui est… est capté dans l'instant. Donc, il fallait que j'observe énormément. Donc, il fallait que j'anticipe. Il fallait que je sois bien par rapport à la lumière. Il faut que je sois bien par rapport à la mise au point, par rapport au cadrage. Donc, il y a plein au son aussi, parce que c'est dans ces cas-là, il faut beaucoup écouter. Il y a des sons, il y a des silences dans le film qui était super, quoi. Donc, je voulais les entretenir, je voulais tout ça. Je voulais pas inonder le film de musique. Donc, c'est très particulier à tourner. Beaucoup d'observations, beaucoup d'anticipations. Et moi, bon, j'ai un parcours qui a été donc très formateur. Donc, j'étais capable de filmer comme ça, dans l'improvisation totale, sans arrêt. Alors, il y a une chose qui m'a interpellé, parce qu'on sent que c'est un vrai film construit après au montage. Il y a des séquences où vous filmez souvent quand il a les jambes croisées et les pieds qui balancent. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ça, avec ces images? Alors, moi, j'ai quand même filmé ce qui me donnait. Ça revient plusieurs fois, quand même. Ouais, ça revient plusieurs fois parce que c'est un tic. Et puis, j'ai beaucoup, ce qui revient aussi souvent, c'est les détails. Parce que chez lui, dans sa vie, dans sa façon d'être, dans sa façon de bouger, de travailler ou de rien faire, il y a des détails. Il y a le pied qui balance, il y a sa main, il y a ses mains, il y a ses couteaux, ses fourchettes. Enfin, chez lui, tout a un siècle. Hein. C'est assez impressionnant. Oui. Donc, au-delà du pied qui se balance, où on le voit de temps en temps, il y a, je pense, des détails dans le geste, des détails dans les objets, des détails dans la matière aussi. Et ça, pour moi, c'était aussi quelque chose d'important et que je voyais, donc que j'ai capté par l'image. Oui, c'est votre œil de photographe qui est… Oui, je pense que la photo m'a beaucoup aidé. Ouais. Donc, cette personne, quelle a été, une fois que vous êtes parti, qu'est-ce qu'il a souhaité, lui? Est-ce que le film, il a eu le temps de le voir ou pas? Le film, il l'a vu deux fois, oui. Et je l'explique aussi justement à la fin des projections, hein, où je raconte en fait tout ce qu'on ne voit pas dans le film, tout ce que le film n'apprend pas. Je raconte la vie du monsieur, de sa naissance jusqu'à son décès. Je raconte comment j'ai fait ce film, enfin tout ça, et je raconte comment il a vu le film deux fois. Alors, je vais peut-être pas tout dévoiler forcément maintenant, mais il a vu le film deux fois et il s'est approprié, et ça, que si les gens qui vont venir voir le film pourront s'en rendre compte, j'explique un petit peu toutes les situations, les conditions dans lesquelles il a vu le film, les raisons pour lesquelles il l'a vu, et quelle a été sa réaction, parce qu'il s'est beaucoup approprié le film, et il en était très très fier, et c'est un film qui lui a beaucoup plu, qu'il a, je pense, beaucoup ému. Ça, je le sais aussi par rapport à certaines anecdotes que je raconte.
Donc voilà, ça c'était aussi un point important. Je voulais que le film lui plaise. Si le film là, il s'était senti agressé par le film ou senti un peu humilié, pour moi ça aurait été un échec. Mais c'est, ça n'a pas été du tout le cas. Et le respect que j'ai eu avec lui pendant les 2 ans et demi pendant lesquels j'étais avec lui pratiquement, bah, ça s'est ressenti dans le film. Et le respect ressort et pour lui, il l'a pris comme ça. Et puis en même temps, le spectateur est touché parce que c'est vrai qu'il n'y a que lui et ses animaux dans le film. Il y a la visite du vétérinaire, il y a plusieurs visites, mais parce qu'il reçoit un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment une vie de solitude. Et puis en même temps, dans des espaces magnifiques, parce qu'on peut dire qu'il était heureux d'être là. Alors, c'est quelqu'un de très heureux. Alors, il y a des choses qui peuvent l'irriter un petit peu, comme tout le monde, hein. Voilà, le changement d'heure, s'il pleut trop, s'il pleut pas assez, s'il fait trop chaud, s'il fait froid, il peut être un petit peu râleur, hein, c'est un Français, donc voilà. Mais il était globalement et au fond de lui extrêmement heureux. Cette solitude qu'on peut ressentir, lui ne la ressentait pas. Ce qui est intéressant, c'est en fait la vision qu'on a sur sa vie de notre point de vue. Nous qui sommes dans des maisons avec des chauffages, avec des clims parfois, on a des voitures et tout ça, lui, il n'est pas dans ce monde-là. Il est dans un monde qui, pour lui, est le vrai. Et cette solitude qu'il a, puisqu'il est fils unique, ça aussi, quand je raconte à la fin des projections sa vie, on comprend, il était fils unique, il était seul depuis l'âge de 34 ans, il a vécu seul pendant toutes ces années. Donc, cette solitude était une habitude, donc un besoin qu'il entretenait. Ah, il le cassait parfois, enfin, il cassait cette solitude parfois en allant au village, par rapport à des visites, des gens qui venaient le voir. Mais ce n'est pas quelqu'un de malheureux, pas du tout. Ce n'est pas quelqu'un de seul, pas du tout. C'était quelqu'un qui vivait avec sa philosophie de vie. Voilà. Et qu'est devenue sa ferme aujourd'hui ? Sa ferme, elle a été rachetée par un jeune couple de Saint-Martin-en-Haut. Saint-Martin-en-Haut, c'est là où j'ai tourné le film, qui est un village qui est dans les monts du Lyonnais. Et c'est deux jeunes qui ont racheté la ferme. Alors pour l'instant, elle est pratiquement ce qu'elle est dans le film, puisque c'est pas si vieux que ça. Et voilà, elle va devenir une petite maison. Les jeunes apparemment aimeraient y habiter dedans, mais on va éviter, on va dire, la résidence secondaire telle qu'on l'entend. Avec des démolitions de partout, une reconstruction. Non, non, ça restera un petit peu dans l'esprit, et tant mieux. Vous gardez les animaux ? Ah, les animaux, non, non. Les animaux ont été. Quand lui, il a vendu ses vaches, tout est parti. Et quand il est rentré à l'hôpital, parce que bon, ça aussi, je l'explique à la fin du film, tous les animaux sont partis, ont été récupérés par des voisins. Voilà, et il a dû quitter sa ferme qu'il n'a malheureusement jamais revue. Le temps, pour vous, est-ce qu'il s'est vraiment arrêté ? Comment vous voyez l'avenir de ce monde rural qui connaissez bien ? Plusieurs choses. D'abord, le film, effectivement, c'est une leçon. Moi, j'ai pris la même que tout le monde et je ne donne pas de leçon, moi, aux autres, avec mon film. Moi, le film, j'ai pris la même leçon que tout le monde. C'est-à-dire que quand je vois vivre cet homme, au même titre que quand je voyais vivre les gens dans la brousse éloignée en Afrique, j'ai toujours considéré que ces gens avaient raison, donc voilà, j'étais attiré par ce profil-là, par ce décor, cette ambiance. Donc, on prend une leçon, effectivement, par rapport aux problèmes qu'on a aujourd'hui. Quand on lit les rapports du GIEC, quand on lit les commentaires et les analyses des spécialistes, justement, de l'écologie et de l'avenir de l'humanité, parce qu'on en est là aujourd'hui, on voit vivre cet homme et il vit tellement avec simplicité que quelque part on a envie, on aimerait pouvoir vivre comme lui. On n'en est pas capable. Il est hors question de dire bon, mais allez, stop, maintenant vivons tous comme Claudius. Pas du tout. Mais le phénomène que ça exerce sur les spectateurs, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'on se dit punaise. Claudius, il vit comme ça, et au fond de nous, on dit, mais en fait, il a raison. Il y a une dame, un jour, dans une salle, qui m'a dit, ça fait envie. Alors, les gens ont dit, oh, ben non, ça fait pas envie, parce qu'on n'a pas envie d'avoir 10 degrés chez nous l'hiver, et d'être obligé de traire ses vaches à la main, ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'elle a voulu dire. Elle a voulu dire, ça fait envie,
d'être capable de vivre comme ça. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, dans son inconscient ou dans son conscient, se rend compte que l'inertie dont je parlais tout à l'heure, l'inertie de la surproduction et surconsommation et tout ça, elle est, qu'on ne maîtrise pas, c'est pas l'avenir. C'est pas l'avenir, donc on se dit comment on fait pour freiner tout ça. Et là, arrive un film comme ça où on voit un type qui ne demande rien à personne, qui est dans son monde, dans une clairière comme ça, et qui vit avec l'essentiel. Avec l'essentiel, il vit avec et il est heureux. Et on se dit, punaise, mais nous, on n'a rien compris, quoi. Voilà, c'est ça la moralité du film. C'est pas un film sur la ruralité d'antan. C'est pas un documentaire style France 3 sur le papy avec son béret qui roule les airs et qui nous raconte que c'est vachement bien. C'est pas du tout ça. On entend, on voit cet homme vivre, on l'entend parler. C'est pas un documentaire. Il y a pas d'interaction au niveau de la réalisation. Moi, j'ai pas voulu un film avec l'interaction question-réponse. On a sa voix comme ça qui on est avec lui, quoi. Il se promène, on est avec lui, on est dans sa vie, on est en immersion dans sa vie. Et on est complètement embarqué par cette sérénité, par cette vie extrêmement saine, extrêmement simple, et on est embarqué là-dedans. C'est ça le film. C'est pas du tout. Faut pas voir ce film. Et là, je pense surtout au cinéma ou aux spectateurs qui auraient peut-être un frein à aller voir un documentaire sur un vieux paysan. Oui, on me parle de trucs qui ont été faits. Oui, non, mais j'ai pas inventé le sujet, mais la manière de le traiter. Et puis surtout ce que ça provoque chez le spectateur, ça c'est à mon avis assez nouveau, on va dire. Et c'est ça que moi j'avance et que je défends sur le film. Vraiment un film qui est pas du tout. Je pense que le mot documentaire ne lui va pas vraiment parce que c'est pas vraiment un documentaire. C'est pas une fiction, donc j'étais obligé de le classer dans la catégorie documentaire. Il fait 1h30. Tous les gens me disent c'est dommage que ça se finisse. Donc ça veut dire qu'il est pas trop long. Il se passe plein de choses. On rit, on pleure, on est ému, on est. Il y a de la poésie, il y a de l'esthétique parce que chez lui c'était cinématographiquement, c'était très cinégénique. D'ailleurs, je voulais vous le signaler, vous avez cadré les images magnifiquement, quoi. Oui, voilà. Alors moi, la photo m'a permis aussi de gérer la lumière et d'exploiter le potentiel cinégénique du lieu. Donc ça, il y a tout ça dans le film. C'est pour ça que quand les gens le voient, ils partent. Et c'est un film qui est fait pour tout le monde. Il ne faut pas croire que c'est un film qui est réservé aux anciens qui ont connu ça avant. C'est pas un film qui est réservé aux gens du milieu rural. C'est pas un film qui est réservé aux gens qui ont connu un oncle ou une tante. Non, non. Tout le monde a vu le film. Moi, j'ai toutes les villes où je suis allé. Des enfants de 8 à 16 ans ou 17 ans, des adultes jusqu'à 95 ans, des gens du milieu urbain. J'ai rempli des salles dans Lyon, en plein Lyon, à Aix-les-Bains, à Chambéry, je suis allé à Évreux, je suis allé à Guingamp, à Toulouse, dans toute la région 1, Rhône, Isère, tout ça. Donc les salles se sont remplies parce que c'est un film fait pour tout le monde. Voilà. Même si au départ, encore une fois, on peut avoir cet a priori. Voilà. C'est le problème de ce film, c'est qu'il va y avoir un a priori qu'il faut arriver à casser par une communication, par des interviews comme vous le faites là, et je vous en remercie. Et parce que c'est un film. Tout le monde me dit à la fin, moi j'ai des gens qui pleurent à la fin, qui pleurent en me posant des questions, qui viennent me remercier à la fin, et des gens qui ont 30 ans et qui ne sont pas du milieu. Ou des enfants qui ont aimé. Il y a des gens qui l'ont vu 6 fois. Enfin, j'ai eu toutes sortes de retours qui m'ont beaucoup touché aussi et qui montrent comment ce film est touchant, comment il est dans l'air du temps. Mais il faut arriver à casser cet a priori qu'on peut avoir sur ce film qu'on va appeler documentaire sur un vieux paysan. Ça, c'est un petit peu réducteur. Voilà. Moi, j'appellerais ça un document, moi. Oui, c'est un portrait. C'est de vie. Ouais. Alors moi, j'aimerais terminer cet entretien justement pour s'adresser plus particulièrement aux exploitants de salles. Justement, comment vous avez convaincu, puisque vous avez porté votre film à la main, comment vous avez convaincu les exploitants et qu'est-ce que vous diriez aux autres de toutes les régions de France pour dire, ben, il y a un intérêt à ce que mon film… Vous avez fait combien de villes déjà en tout? Combien de villes? J'ai dû faire, je sais pas, j'ai pas compté, mais j'ai dû,
J'en suis, je suis pas loin de la centaine de la centaine de salles, je pense. Donc presque autant de villes. Alors je l'ai présenté en parlant, en disant que c'est compliqué de parler de son film. C'est compliqué d'appeler un exposant de salle et lui dire putain, j'ai fait un film, c'est extraordinaire. Je peux pas dire ça. Mais j'en parle beaucoup de passion parce que quelque part, moi c'est pas mon film, c'est celui de Claudius Jomard, c'est celui du personnage, c'est à lui le film. Donc j'en parle comme ça et l'exploitant, je lui parle effectivement, j'avance tous ces arguments, même si j'aime pas le terme, et j'envoie un lien. Quand les gens voient le film, une fois qu'ils l'ont vu, ouais, c'est gagné quelque part. Après, dans la communication, c'est là où je dis aux exploitants, moi, je peux vous aider par une communication, par il y a des bandes annonces, il y a pas longtemps, j'étais à 4,2, je dois être à 4,1 sur Allociné, par exemple. C'est pas rien, c'est pas des gens que je connais. Hein. Donc, c'est un film, ouais, non, qui est vraiment… mais il faut faire… Je comprends les exploitants parce qu'il faut faire revenir les gens dans les salles. Et c'est là où la communication est importante. Et ça peut être par des vidéos que j'ai pu faire, des interviews comme ça, qu'on peut mettre au grand public pour avoir peut-être un avis, quoi. Un dernier mot sur la musique, parce que c'est Hervé Rakotofiringa qui a fait la musique. Et Hervé Rakotofiringa, qui est l'ancien pianiste de Peter Gabriel, est quelqu'un très connu dans le milieu de la musique de film, puisqu'il a travaillé sur Intouchable, La vérité si je mens, Le sens de la fête. Il a fait énormément, il a une filmographie très importante. C'est un gars de grand talent et humainement super, qui a accepté mon projet. Donc, bon, c'est vrai que c'est un signe aussi, quoi. Et la musique, elle est splendide, ça amène beaucoup au film. Et j'ai pas voulu justement inonder le film de musique, mais elles arrivent à point nommé comme ça. Oui. Et voilà, ça c'est important aussi dans l'approche qu'on peut avoir de savoir si on peut programmer ce film ou pas. Quoi. C'est vrai que moi je suis pas connu, mon personnage n'est pas connu. Dans le milieu du cinéma, on m'ouvre pas vraiment les portes. Hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Moi j'aimerais faire une fiction derrière de ce que je raconte à la fin, parce qu'il y a aussi ça. Les gens restent, les gens ne partent pas. Moi, des fois, j'ai eu plus de 100 personnes dans la salle pendant la projection. Ils sont tous restés à la fin parce que je raconte toute l'histoire de Claudius, les raisons du film. Enfin, je raconte beaucoup de choses comme ça. C'est une histoire que je raconte, en fait. Donc, les gens restent et c'est un beau moment, je pense. Et donc, j'accompagne le film le mieux possible, le plus possible dans les salles pour que la soirée soit complète. Et justement, ce que je raconte à la fin m'a donné l'idée, l'envie de faire une fiction cette fois, de raconter la vie de ce personnage et de raconter quoi, l'histoire d'un type qui naît dans sa ferme, à qui il arrive plein de choses, très petit, tout petit, et j'en parle aussi après, je ne dévoile pas maintenant, mais voilà. Et puis il grandit dans sa ferme, et puis arrivé à 88 ans, il voit un grand type qui arrive et qui dit « je vais faire un film sur votre ferme », et il se retrouve sur une tête d'affiche, parce que le film à Saint-Martin-en-Haut, c'est la star de cinéma de Saint-Martin-en-Haut, c'est Claudius Jomard. C'est-à-dire que le film a fait a eu un tel écho dans les monts du Lyonnais, autour de Lyon ici, qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas ou qui me croisent, ils me disent « tiens, j'ai croisé une personne qui m'a parlé de ton film ». Enfin, ça fait énormément de bruit. Et voilà, ça c'est important aussi de souligner ça, quoi. En tout cas, Christophe, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et merci à vous. On va essayer de diffuser au maximum. Eh bien, c'est parfait. Merci beaucoup, Gérard.